Le 25 février, certains acteurs de la série Ici Tout Commence ont révélé, lors d'un entretien accordé à nos confrères de Gala, que certaines histoires d'amour avaient pu voir le jour hors tournage. Vanessa Demouy, Elsa Lunghini, Frédéric Diéfantal ou encore Agustin Galliana donnent rendez-vous chaque soir aux téléspectateurs de TF1 dans la série Ici Tout Commence. Parmi les nouveaux visages, Alzé Bochet et Lucien Belvet s'incarnent respectivement Ludivine Rivière et Lionel Lano, deux étudiants de la promotion de 2020 de l'école de cuisine d'Auguste Herman. Très complices sur le tournage, les deux comédiens se sont récemment montrés très proches sur Instagram. Sur un cliché posté par Julie Demanger, une autre actrice de la série, Lucien Belvet se tient dans les bras d'Alzé Bochet. Le comédien a la tête posée sur la poitrine de sa camarade. Ils sont en couple? S'est demandé un internaute, supposant comme de nombreux fans de la série que les deux comédiens sont en couple. Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, elle avait même publié deux clichés d'eux à bord d'un train, avec en légende un texte intitulé « Les amants du métropolitain ». Des couples sur le tournage? Autant de pistes qui ont attisé la curiosité des fidèles du programme. Sur le tournage, l'ambiance est au beau fixe. Dès les premiers instants, les comédiens semblent avoir vécu une véritable osmose. On s'est tout de suite entendu, comme si ça faisait plusieurs mois qu'on prenait ce train ensemble. La veille, je tournais encore, demain nous appartient. J'ai raté le dîner du premier soir, mais on s'est rencontrés au fur et à mesure et on s'entend tous bien, a confié à nos confrères Clément Rémien, star du programme, à nos confrères de Gala, le 25 février. Sébastien Peyroy, le co-réalisateur d'Ici Tout Commence, confirme ce plaisir de voir les comédiens s'entendre à merveille. Il y a une vraie symbiose, une vraie complicité, on voit qu'ils prennent du plaisir. Les acteurs d'Ici Tout Commence vivent pratiquement ensemble. Ils se retrouvent en effet tous ensemble, tous les soirs à l'hôtel. On partage tout, il n'y a pas de groupe. On se retrouve dans une sorte de grand foyer pour manger, travailler, a détaillé Julie Sassouste. C'est simple, ils partagent chaque moment. Au point que certains liens semblent avoir dépassé les liens d'amitié, comme le confirme Michael Mittelstadt, on a un dicton qui dit « Ce qui se passe à l'hôtel reste à l'hôtel, mais ça rapproche les gens, c'est sûr. » Let's Block ADS. Why?